Walter, je vais te présenter très mal. Une petite anecdote. Il y a 4 ans, Walter devait intervenir. J'ai contacté Walter. Il se trouve qu'à ce moment-là, tu étais là sur le lac Titicaca. Tu as décroché, on a échangé. Et puis j'espérais pouvoir te faire venir parce que c'était juste après la finale France-Belgique. Une finale qui, à l'époque, avait été gagnée par la France. Et je m'étais juré d'offrir une écharpe de foot de France à Walter. Et malicieusement, il a attendu que la France finalement perde face à l'Argentine pour venir. Et heureusement, il ne m'a pas offert d'écharpe argentine. Mais en tout cas, voilà, sois le bienvenu ici. Tu es ici chez toi. Ce qu'on est venu chercher auprès de toi, c'est justement ton expertise, ton expérience, ton univers qui est celui du soin hospitalier. Tu es enseignant, et tu en parleras sans doute, notamment à l'université en Belgique. Merci beaucoup d'être venu avec nous pour nous partager toute cette philosophie qui est la tienne. Et je retiens des témoignages que j'ai pu voir de toi sur Internet qui sont disponibles, notamment cette notion de tendresse et de délicatesse qui sont deux mots qui ne m'ont pas quitté depuis que j'ai vu ces interventions-là à l'époque. Et cette notion de, ou le verbatim qui est ce que l'on donne à vivre à. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté. Et donc, pour tout ça, et déjà, merci. Merci aussi. Alors, bonjour à chacune et chacun. Y a des moments pour parler qui sont plus délicats. Vous savez, en fin de matinée, Rabelais nous le disait, ventre affamé n'a pas d'oreille. En début d'après-midi, c'est la phase postprandiale, mais là, le général nous a aidés. Ici, en fin d'après-midi, vous n'avez plus qu'une seule hâte, c'est de prendre votre train ou de partir. Donc, je vais essayer quand même de vous retenir un minimum. Alors, je suis professeur à l'université de Louvain, ce qui veut dire que je suis belge, mais vous savez depuis longtemps que personne n'est parfait. Et donc, dans mon activité... Mais on fait des signes bizarres à la régie. Je donne le micro à Walter. Peut-être que je suis trop près, en fait. Non, ça va comme ça. Donc, dans mon activité, je suis toujours donc professeur à la faculté de santé publique de l'Université de Louvain à Bruxelles. Donc, je suis un des responsables du GFR, ce qui est le groupe francophone d'études et de formation en éthique de la relation de soins dont le siège est à Paris. Donc, on est une petite équipe d'intervenants franco-belges sur les questions d'éthique des soins de santé. Et on intervient en France entière, en Belgique et au Luxembourg sur ces questions-là. Ce qui m'a... Il y a un écho qui est bizarre. Non, ça va pour vous ? Pour vous, c'est bon. C'est pour moi que ça l'est moins. Mais on va essayer comme ça. Voilà. Et donc, ce qui m'a été proposé, c'est de penser et penser. Avec une voyelle de différence, penser et penser donc la vulnérabilité de la relation. Et j'avais envie, dans ce contexte-ci, auprès du public que vous êtes, peut-être de commencer par, au fond, l'une ou l'autre anecdote. On veut me faire taire pour que vous puissiez partir plus rapidement. Sans doute une mauvaise blague belge. Elles sont toutes mauvaises. Bon. je suis, pour ma part, très souvent dans les hôpitaux et les EHPAD, par exemple, tant donc en France qu'en Belgique. Et il y a un mot qui est assez unanimement rejeté. Il y a un mot qui est assez unanimement rejeté par ceux que l'on appelle les soignants, qu'ils soient paramédicaux, médecins ou autres, c'est le mot client. On n'aime pas le mot client parce que les patients ne sont pas des clients. Et ce qui est piquant, c'est qu'en fait, ils s'insurgent contre le fait que ce mot client soit arrivé dans notre univers hospitalier ou dans le système de soins sans savoir pourquoi, au fond, il est arrivé. Et je leur rappelle toujours que si le mot client est arrivé dans notre vocabulaire ici en Europe, c'est parce qu'il y a bien longtemps, aux États-Unis, on avait constaté que les malades à l'hôpital étaient moins bien considérés que les clients dans un magasin ou dans une entreprise. Et que donc, ils nous exhortaient à utiliser le mot client justement pour attirer l'attention sur le fait qu'on aurait intérêt à considérer aussi bien une personne malade à l'hôpital qu'un client à qui on a l'ambition de vendre quelque chose dans une entreprise. Alors,
Si on ne comprend pas bien le mot client et qu'on le rejette, ce qui est troublant aussi, et c'est pour vous dire l'importance du langage, c'est que l'on rejette aussi de façon assez unanime aujourd'hui, de plus en plus unanime d'ailleurs, le mot patient. Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire le mot patient. C'est assez troublant de constater que, même dans les écoles ou les universités, quand on parle du patient, on ne précise pas ce que ce mot veut dire. Et il y a une confusion entre le mot patient et le verbe patienter. Et alors c'est vrai que je leur explique toujours que si on considère que les malades à l'hôpital sont là pour patienter, c'est-à-dire pour se montrer patient, on a quand même toutes les raisons d'être contrarié lorsque ceux qui doivent attendre se montrent impatients. Enfin voilà, et donc on a besoin de rappeler que ce mot vient de pâtir, hein, c'est-à-dire au fond le mot patient veut dire celui qui souffre. Mais ce que je vous dis là, c'est quand même pas une anecdote, parce que ça veut dire que la relation de soins à l'hôpital ou la relation à la personne à l'hôpital est une relation qui est particulière vu qu'elle est marquée par la souffrance. Quelqu'un qui a quelque chose à voir avec la souffrance. Je n'ai pas le temps d'entrer trop dans le détail ici, mais ne confondons pas la souffrance et la douleur. Hein, éventuellement, je vous renvoie vers Paul Ricoeur pour ça. Mais donc, hein, le métier de soignant, par exemple à l'hôpital ou en EHPAD, est un métier où on est au contact permanent de la souffrance. Il y a un autre mot qui est aussi assez volontiers rejeté. J'ai eu la chance, il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, de travailler dans le cadre d'un projet européen avec ce qui s'appelait à l'époque, mais je pense que ça s'appelle peut-être toujours comme ça, l'Académie du service, au sein du groupe Accor à l'époque. Je pense que ça n'est peut-être plus tout à fait pareil aujourd'hui. Et nous avions donc travaillé sur la question de la pénibilité dans les métiers de service en vue de prévenir un certain nombre de répercussions liées au vieillissement. Et j'avais eu l'occasion de faire venir un certain nombre de mes étudiants à la Maison de la Chimie à Paris parce qu'on organisait un colloque de restitution de nos travaux. Et très rapidement, ces étudiants me disaient « Oh, mais nous, on n'a rien à voir avec ce milieu-là. Hein, voilà. Hein, c'est pas, hein, eux, c'est l'hôtellerie, nous, c'est l'hôpital. Hein, » voilà. Vous voyez qu'il y a des liens comme ça qui ont un petit peu de mal à pouvoir s'établir. Et c'est là qu'on doit aussi quand même se rappeler que le mot service, c'est quand même un mot important parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire quelque chose pour quelqu'un. Et si on oublie qu'on n'est pas là pour faire quelque chose pour quelqu'un, on est peut-être là pour faire quelque chose pour soi. Mais ça n'est pas suffisant parce que l'autre devient l'objet de la raison pour laquelle, la raison pour laquelle on est là. Et donc vous voyez que quand il est question de penser la vulnérabilité de la relation, on a besoin de clarifier un certain nombre de choses. Et j'accorde pour ma part beaucoup d'importance, notamment auprès de mes étudiants, hein, sur la capacité de nommer, l'importance du juste mot, parce que ce qui n'est pas nommé, au fond, n'existe pas. Plus exactement, ce qui n'est pas nommé ne peut pas s'instituer. Et surtout, ce qui est mal nommé est dénaturé. Et si c'est dénaturé, eh bien, hein, cela induit un certain nombre de représentations erronées. Alors, pour penser cette vulnérabilité de la relation, moi, je voudrais commencer par préciser qu'il y a, dans le système de soins, donc je ne vais pas parler de l'entreprise, mais dans le système de soins en général, eh bien, ce qu'on va pouvoir appeler un malentendu fondamental. Quel est ce malentendu fondamental ? Eh bien, c'est que l'on précise, on affiche, on vend, on pourrait dire comme ça, que travailler dans un hôpital, une clinique, un EHPAD, eh bien, c'est un métier de la relation à l'humain. On précise aussi que ça fait partie des métiers de sens, des métiers de sens. Et ce qu'on oublie en disant que c'est un métier de la relation à l'humain, c'est que historiquement, et quand je dis historiquement, on peut dire que ça remonte à une bonne centaine d'années. Lorsque la médecine a voulu devenir efficace, avec l'ambition de guérir des maladies dans le but de sauver des vies, eh bien, cette médecine, pour devenir efficace, elle a dû se résoudre à faire quelque chose qui était de, on peut le dire comme ça, mettre entre parenthèses la parole du sujet. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? C'est que la médecine telle qu'elle a évolué, le fondement de la médecine et donc du système de soins dans lequel nous évoluons, il n'a pas été pensé pour la personne qui est le malade, mais bien pour la maladie que présente cette personne et tous les actes que requiert cette maladie ou les dépendances qui en découlent. Et cela a entraîné une confusion qui est toujours d'actualité aujourd'hui entre le malade et la maladie.
Et entre le malade et la maladie, et une de mes préoccupations, je rappelle toujours à mes étudiants qu'au fond, s'ils ne devaient retenir qu'une seule chose, ce serait de se rappeler en permanence, s'ils sont animés d'une préoccupation éthique, eh bien, de se rappeler en permanence que le malade n'est pas la maladie qu'il a. Et il suffit de se mettre à l'écoute de la façon qu'on a de parler, par exemple, des malades à l'hôpital. On les désigne par telle affection, par tel traumatisme, voilà. Hein, c'est une chute, c'est un fémur, c'est un infarctus, etc. Vous savez, pour ceux éventuellement qui ont côtoyé ça, que finalement, quand on entend les expressions dans les blocs opératoires, c'est rare qu'on opère des personnes. Hein, on opère une rate, un foie, un poumon, un cerveau, hein, des choses comme ça. Dans les centres de rééducation, sur les plateaux techniques, c'est pas rare d'entendre des kinés qui disent « Tiens, j'ai trois prothèses du genou. Ben, » C'est bien, enfin, est-ce qu'il y a des personnes autour de ces prothèses du genou? Alors, entendons-nous, je ne suis pas en train de dire que l'intentionnalité de ces personnes est déshumanisante, mais rappelons quand même que les mots que l'on utilise, les expressions auxquelles on a recours, ça induit et véhicule et entretient des représentations. On doit être attentif. On doit être attentif à ça. Mais vous voyez qu'il y a, de manière constitutive, dans le fondement donc, de la médecine et donc du système de soins et donc des formations médicales et paramédicales, eh bien, hein, cette confusion, je dirais, entre le malade et sa maladie, entre donc la personne à laquelle on s'adresse et les actes que requiert cette personne. Et ça a provoqué un déplacement d'intérêt. On est plus préoccupé par la maladie et les actes qui doivent être posés que par la personne et la façon qu'a cette personne eh bien, hein, de vivre ce qu'elle a à vivre. C'est comme ça qu'on l'a vu émerger, il y a, on va dire, une quinzaine d'années, un mot qui est quand même bizarre, c'est le mot « bientraitance ». Et c'est assez étrange hein, d'avoir dû, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les cliniques, eh bien, dire « maintenant, il va falloir faire de la bientraitance ». J'anime encore de temps en temps des sessions de bientraitance dans les hôpitaux, par exemple, et je peux vous dire que ça suscite toujours un grand moment de contrariété, parce qu'il est évident que si on est soignant, c'est pour être bientraitant. Et que si donc j'ai, par exemple, une cadre de santé qui m'envoie en formation bientraitant, c'est parce qu'elle considère que je suis maltraitante. Et alors, il y a quelque chose qui irait de soi. On est naturellement là pour bien traiter les gens. Vous avez peut-être un petit peu l'expérience de ce qui se passe parfois à l'intérieur de certains établissements. On voit qu'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré. Alors, si on regarde ce néologisme de bientraitance qui aujourd'hui est entré dans le dictionnaire, au fond, il nous dit quelque chose qui est quand même extrêmement important et tout à fait en lien avec la relation client, la relation patient, la relation à l'humain si vous préférez, la façon que moi j'ai de préciser cette notion de bientraitance, de préciser pourquoi cette notion de bientraitance a un jour émergé, eh bien, je rappelle aux différents soignants qu'au fond, il ne suffit pas de bien faire tout ce qu'il y a à faire pour que l'humain se sente bien traité. Il ne suffit pas de bien faire tout ce qu'il y a à faire pour que l'humain se sente bien traité. C'est évidemment important que ce qui doit être fait soit bien fait. Si on doit se faire opérer, autant que ce soit bien fait. Mais nous savons aussi que ça n'est pas suffisant pour se sentir bien traité. Pour se sentir bien traité, au-delà que tout soit bien fait, nous avons besoin, eh bien, effectivement, de ne pas être confondus avec notre maladie, avec notre intervention chirurgicale ou les actes que l'on requiert. Nous avons besoin d'être regardés en tant que personne. Et on peut dire que, au-delà de cette préoccupation extrêmement importante pour la sécurité de la population, de bien faire tout ce qui doit être fait, eh bien, il y a aujourd'hui deux exigences qui peuvent tenir pour moi dans deux mots, c'est le mot de considération. Ayez de la considération pour la personne que je suis. Je ne suis pas qu'un objet sur lequel vous pratiquez vos différents actes. Ayez de la considération pour la personne que je suis. Et un autre mot qui est toujours un petit peu plus compliqué à utiliser, montrez-vous sensible à ma situation. Montrez-vous sensible à ma situation. Ce mot sensibilité est un petit peu plus compliqué parce que sensibilité est associée à fragilité. On pourrait s'effondrer. Il y a historiquement une forme d'interdit de la sensibilité, de l'émotion auprès des professionnels hein, de la santé. Alors que la sensibilité, au fond, et à condition de ne pas la confondre, bien entendu, avec la sensiblerie qui est la pathologie de la sensibilité, cette sensibilité, ça n'est jamais finalement que l'expression
que mes sens essayent de percevoir quelque chose de ce qui est vécu par cette personne, y accepter d'essayer de percevoir quelque chose par cette personne, au fond, on va se rappeler que la sensibilité est ce qui nous permet de dire à la personne « ça me concerne ta situation, je me sens concerné, je me sens concerné ». On peut transférer ça, par exemple, dans un certain nombre d'administrations, lorsque on est en train d'essayer de résoudre un problème administratif qu'on ne comprend pas bien, vous avez au guichet, vous avez comme interlocuteur, parfois des personnes qui se sentent concernées par le problème qu'on leur apporte, et puis d'autres qui, finalement, s'ils ne se sentent pas concernés, qu'est-ce que ça nous donne comme indication, comme impression que ça les indiffère. Et vous voyez que l'indifférence est quelque chose qui, pour moi, est très marqué dans les hôpitaux, on va dire. Je ne sais pas si vous avez éventuellement à l'occasion, mais regardez combien on pourrait trouver des personnes âgées, esselées, qui viennent visiter quelqu'un, qui cherchent leur chemin sans que personne, par exemple, ne s'en occupe. Il y a un climat d'indifférence qui n'est pas propice, évidemment, à cette atmosphère d'humanité. Et vous voyez que cette question de sensibilité, au fond, et je le rappelle chaque fois aux soignants que je côtoie, ce qui fait la différence entre les robots et les humains que nous sommes, c'est réside dans cette sensibilité. Un robot ne pourra pas faire preuve de sensibilité, ou alors une sensibilité programmée. Et là où c'est intéressant, c'est de constater, parce que ce sont des choses qui sont relativement nouvelles dans le milieu hospitalier, quand je dis relativement nouvelles, ça fait une vingtaine d'années avec la loi des droits des patients en 2002, tant en France qu'en Belgique, quand on regarde les récriminations ou les réclamations, les mécontentements qui sont adressés par les patients ou par leurs familles aux directions des hôpitaux, aux directions des établissements, eh bien, on observe que dans l'immense majorité des cas, on peut dire dans 90% des cas, on n'écrit pas pour se plaindre d'une défaillance technoscientifique, mais bien parce qu'on nous a mal parlé, mal regardé, fait attendre sans nous expliquer. Donc, on est satisfait, au fond, de la qualité technoscientifique des pratiques, mais ce qui manque, c'est l'attention qui est portée à la personne. Et on peut d'ailleurs, si vous regardez ce qu'on appelle en Belgique les accréditations, en France les certifications, repérer que ce qui fait les repères, les critères, pardon, d'accréditation ou de certification, au fond, ça concerne quoi ? Ça concerne la qualité technoscientifique des pratiques. Et on peut ainsi avoir des hôpitaux qui ont un niveau d'accréditation, de certification platinum. C'est le plus haut qu'on puisse donner, par exemple, avec Accréditation Canada. Mais ce n'est pas parce qu'on a une accréditation platinum pour la qualité technoscientifique des pratiques, qu'on va repérer qu'il y a une qualité platinum dans les rapports humains au sein de cet établissement. Et vous voyez le focus qui est mis sur cette qualité technoscientifique. On commence à essayer de rectifier les choses parce qu'on en prend conscience, mais vous voyez que le focus, il est mis là, alors que l'affiche, elle est mise sur l'humain. Vous voyez ainsi que on doit se rappeler que la qualité, la sécurité de ce qui se fait ne se confond pas avec la qualité de l'attention qui est portée à la personne à qui on le fait. Ça n'est pas la même chose. Prends toujours un exemple très simple, mais deux aides-soignantes peuvent être à deux en train de faire la toilette de quelqu'un tout en parlant à deux du film qu'elles ont vu la veille à la télé. La toilette en tant qu'acte de nettoyage hygiénique du corps sera bien faite, mais on n'aura pas porté intérêt à la personne à qui on l'a fait. Et on doit ainsi rappeler que dans nos différentes organisations, la préoccupation d'une performance organisationnelle ne se confond pas avec la pertinence humaine de ce qui est mis en œuvre, de ce qui est organisé. Performance organisationnelle, c'est une chose et c'est important. La pertinence humaine en est une autre. On va regarder quelques conséquences de ce malentendu. Il y a au fond, d'une certaine manière, une promesse client, une promesse client qui s'affiche telle une charte des droits, une charte de ceci ou de cela, une charte éthique éventuellement. Il y a une promesse client qui s'affiche, mais qui ne tient pas ses promesses, Et on a toujours intérêt à ne pas afficher des choses que l'on ne peut pas tenir.
Hein, vous le savez bien, hein, parce que c'est exactement pareil hein, dans l'entreprise. Et on va se rappeler que afficher une charte, nommer des valeurs, c'est bien. Mais c'est comment les faire vivre, comment les incarner. Il en va exactement de même avec la question de l'éthique. Hein, tout ça est lié. Moi, en tant que malade ou en tant que résident dans un établissement, si je sais qu'on parle de moi dans un comité éthique, par exemple, mais que je ne perçois pas cette préoccupation éthique dans les manières d'être, de faire, de s'exprimer, de se comporter des personnes qui s'occupent de moi, au fond, ça ne m'intéresse pas. Et c'est la raison pour laquelle, avec mes collègues du GFR, c'est bien notre préoccupation à nous, c'est véritablement d'une éthique concrète, une éthique concrète qui imprègne les pratiques et pas seulement une éthique intellectuelle ou une éthique abstraite de comité. C'est intéressant, toute l'intellectualisation de l'éthique, mais on dirait qu'on peut garder ça peut-être à l'université ou dans des cours ou en chambre, si vous préférez. On a besoin de quelque chose qui imprègne concrètement les pratiques. La conséquence également de ce que je vous disais là, sur cette confusion entre le malade et la maladie, cette centration sur les actes plus que sur la personne, eh bien, hein, ça débouche effectivement sur cette centration sur la tâche. Je ne sais pas si vous avez déjà pu éventuellement hein, vous laisser étonner par la manière que l'on a hein, d'organiser les tâches dans des services de soins, par exemple. Hein, il y a une série de tâches qui se succèdent. On est véritablement, on doit oser le mot, hein, dans du taylorisme. On est dans du taylorisme. Avec un déplacement d'intérêt qui fait qu'on accorde plus d'importance à la tâche qu'à la personne à qui on le fait. Et je vous donne un exemple qui est souvent assez parlant, en tout cas pour les soignants, mais je les interpelle en disant, mais la question qui se pose, c'est quand vous allez dans la chambre d'un patient ou d'un résident, est-ce que vous allez dans la chambre de ce patient pour faire quelque chose ou est-ce que vous y allez pour rencontrer la personne qui s'y trouve ? Et à cette occasion, voir ce qui pourrait ou devrait être fait. Vous observez que si vous allez dans la chambre d'un patient ou d'un résident pour faire quelque chose, en pensant déjà à ce que vous avez à faire dans la chambre d'après, en étant préoccupé d'avoir terminé, par exemple, pour l'heure de petit déjeuner ou pour la réunion ou pour que sais-je, vous voyez bien que l'intention qui vous anime, la disponibilité dont vous ferez preuve, ne seront pas les mêmes que si vous venez rencontrer quelqu'un, qu'on se laisse impressionné, étonné éventuellement par ce que l'on fait. On a pu observer, mais rassurez-vous, c'était en Belgique, que le matin, des soignants à 7h entraient dans la chambre du malade, ouvraient la porte, allumaient la lumière, tiraient les rideaux, et puis là, le malade se demandait ce qui lui arrivait. Alors là, vous voyez bien qu'on ne vient pas le rencontrer. On peut même dire qu'on vient l'effrayer, en fait. Hein, voilà, hein. Et donc, hein, vous voyez qu'il y a ce déplacement d'intérêt, alors qu'au fond, ce dont il est question, si je suis alité en tant que malade, eh bien, moi, si vous venez dans ma chambre, bien entendu que vous devez faire ce qui doit être fait, ou ce que j'accepte que l'on me fasse, quand même. Il faut peut-être le préciser aussi, mais je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Au fond, c'est de venez me voir moi, parler à moi. Parler à moi. Hein, et on pourrait, par exemple, hein, imaginer dans un service que tous les matins, on reprenne les paroles de cette chanson de, j'ai oublié de qui maintenant, mais enfin, hein, parlez-moi de moi. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui me fait de l'émoi. Venez me voir, moi. Parlez-moi. Hein, et vous voyez que ces éléments-là, venez me parler, moi, ça fait appel quand même aussi à une vigilance que moi je qualifie aussi de vigilance éthique. Si je viens parler à une personne, à un sujet, à un être singulier, si je m'adresse à lui avec des éléments de langage tout fait, c'est pas à la personne que je parle. Hein, si je parle comme ça en général. Et on doit ainsi toujours se rappeler un peu ce point de vigilance, mais quand je m'adresse à un patient, qui parle ? Est-ce que c'est moi en tant que sujet soignant qui parle à la personne, ou est-ce que ce sont mes savoirs, mes théories, etc., qui parlent à travers moi ? Est-ce qu'au contact de ce patient, de ce résident, et de ses proches, de sa famille, est-ce que c'est bien moi qui parle en personne, ou est-ce que je suis le porte-parole d'un certain nombre, d'un certain nombre d'éléments ? Et on va se rappeler ainsi que la parole savante ne se confond pas avec la parole soignante. Hein, la parole savante ne se confond pas avec la parole soignante. Et en venant me parler, moi, dans ma chambre, à moi, ou
là où je suis, au fond de quoi il est question, eh bien, c'est de me montrer que j'existe dans votre regard. J'existe dans votre regard, je suis un sujet dans votre regard et pas seulement l'objet de vos bonnes pratiques. En vous disant tout à l'heure qu'on appelle cela parfois des métiers de sens, eh bien on se rend compte que un métier qui se présente, qui est affiché comme un métier de la relation à l'humain, alors qu'il se traduit bien souvent, on ne va pas généraliser, par un métier qui se transforme en succession d'actes et de tâches, ça devient rapidement un métier pour lequel on perd le sens. C'est-à-dire que cela devient un métier insensé. Et nous devons lire tout ce que l'on connaît, et ça n'est pas nouveau, ce que l'on connaît aujourd'hui, les problèmes de pénurie, de fidélisation, etc., dans les hôpitaux ou les établissements de soins, mais aujourd'hui, s'interroger davantage sur la question du sens dans la pratique. Et moi, je suis très souvent pour des conférences brèves auprès d'étudiants, par exemple dans les IFSI, donc les instituts de formation en soins infirmiers. Et en Belgique, on observe exactement la même chose, la désaffection des étudiants ou le refus des jeunes diplômés de persévérer dans un emploi à l'hôpital, par exemple. Hein, je pense. Un de mes amis dont la fille a fait ses études à la Pitié-Salpêtrière, elle a travaillé un an en réanimation, puis elle a arrêté au bout d'un an pour s'investir en naturopathie, par exemple, hein, utilisant son background de formation médicale pour ça. Et on doit s'interroger sur le fait que... Nous constatons que les étudiants d'aujourd'hui, les jeunes diplômés, sont en train de donner une gifle au système. Ils sont en train de dire, et ça a sans doute été amplifié avec la crise du Covid, ils sont en train de dire, ça on n'en veut pas. Ça on n'en veut pas. On veut quelque chose qui soit porteur de sens. Et le fait qu'aujourd'hui ils le manifestent de cette manière-là, c'est sans doute la différence avec ce que j'ai pu connaître, par exemple, il y a 30 ans ou même davantage, c'est que là, cette fois-ci, eh bien, véritablement, ils refusent le système, ils quittent le système, ils ne persévèrent pas dans le système. Et nous devons être attentifs parce que la façon que l'on a parfois d'en parler dans la presse, c'est notamment de dire « oh, il faut améliorer les conditions de travail ». C'est un leurre. Depuis le temps qu'on essaye d'améliorer les conditions de travail, en disant ça, pour ne pas me faire mal comprendre, je ne dis pas qu'on ne peut pas améliorer les conditions de travail. Mais améliorer les conditions de travail sera largement insuffisant pour réinjecter du sens dans la pratique. Et on peut d'ailleurs établir un comparatif auquel on ferait bien de penser plus souvent, c'est que, à titre personnel, j'interviens comme expert auprès du ministère de la Santé au Luxembourg. Au Luxembourg, on a exactement les mêmes problèmes de recrutement, de fidélisation, alors que le salaire au Luxembourg est de l'ordre de 3 fois celui de la France pour une infirmière, par exemple. En Suisse, c'est exactement les mêmes problèmes. Et donc, considérer qu'on va améliorer les conditions matérielles de salaire de ceci et de cela, tant mieux pour ceux qui en bénéficient, mais ça n'est pas résoudre le problème auquel on est confronté. Hein, et on peut dire ainsi que l'enjeu auquel on est confronté aujourd'hui, hein, c'est véritablement ce que moi j'appelle le contenu significatif du métier. Hein, le contenu significatif du métier. Hein. Ainsi, je me destine à un métier de la relation à l'humain et que, au fond, vu la nature des organisations et des pressions diverses, etc., je me retrouve à être un distributeur d'actes et de tâches pour lesquels j'éprouve finalement jamais suffisamment de temps, eh bien, il y a là effectivement une perte de sens. Un troisième élément, en conséquence, c'est cette façon que l'on a, je trouve ça toujours très troublant, de négliger, de sous-estimer le drame humain qui se vit. Le drame humain qui se vit. Alors j'utilise à dessein le mot drame humain. Vous allez sans doute imaginer qu'il y a des situations qui ne sont pas si dramatiques que ça. Mais nous sommes aussi toujours face à la manière qu'a une personne singulière de vivre sa situation. Et une façon comme ça de négliger ce drame humain, c'est des exemples que vous ne connaissez sûrement pas ici, mais en tout cas pas en France, mais si vous avez une personne âgée de 95 ans dans un EHPAD qui est en détresse respiratoire et que l'équipe qui est sur place appelle le SAMU et que la première question qu'on lui pose, c'est à quel âge la personne, et que là on décide de ne pas venir, vous voyez qu'il y a
un déni du drame humain. Et je ne dis pas qu'il faut envoyer 3 hélicoptères pour réanimer la personne, mais il y a un déni du drame humain déjà pour cette personne de 95 ans, sans doute pour la famille qui est là, mais aussi, et j'ai envie de dire peut-être surtout, pour les soignants qui se trouvent alors complètement démunis face à cette situation par le désintérêt qui est exprimé à cause de l'âge de la personne. Ça, c'est une réaction qu'on va trouver au SAMU, par exemple. Une autre réaction qu'on va trouver dans des services ordinaires. Il y a une entrée demain. Ah oui, c'est une toilette ou pas? Vous voyez bien que la préoccupation qui est là, elle n'est pas celle de la personne. Et au fond, on oublie ce drame humain tant pour le patient ou le résident que pour ses proches. Et il est utile de rappeler que, je l'ai rapidement dit tout à l'heure à la pause, que les proches des patients ou des résidents vivent parfois plus difficilement que le patient lui-même, que le résident lui-même, sa situation. Et on observe que le patient lui-même est parfois plus inquiet pour ce qu'il inflige à ses proches que pour ce qu'il vit lui-même. Et on doit ainsi se rappeler que, une petite phrase qui peut sembler tout à fait évidente, un truisme aurait dit général, mais se rappeler ceci, c'est que chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre lorsque la maladie surgit ou la dépendance s'installe. Chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre lorsque la maladie surgit ou la dépendance s'installe. C'est évident. On se dit bien, oui, je ferai comme je peux. On a d'ailleurs de grandes déclarations d'intention. Moi, s'il veut m'arriver ceci, je voudrais que ce soit comme cela. C'est comme ça qu'on fait des directives anticipées, quand on y pense. Mais c'est aussi la raison pour laquelle les directives anticipées doivent être éventuellement révisées, validées ultérieurement. Et en vous disant que chacun vit ce qu'il a à vivre, comme il le peut ce qu'il a à vivre, il y a une première conséquence, je n'en citerai qu'une ici, mais qui est extrêmement importante à prendre en considération, eh bien, c'est que pour une personne donnée, il n'y a pas de petite ou de grande maladie. Il n'y a que la maladie qui me touche moi, avec laquelle moi je fais comme je peux. Et la déformation des professionnels de la santé, c'est quoi? C'est qu'ils sont formés, c'est heureux, à une classification des pathologies. Il y a des pathologies gravissimes et d'autres qui ne le sont pas. Alors, si c'est gravissime, on va porter plus d'intérêt à ce qui ne l'est pas. Et c'est ainsi qu'on a, dans le jargon professionnel habituel, des expressions du style « Oh, ici, on ne fait que de la bobologie ». Mais ce n'est pas parce que moi, je n'ai qu'un bobo pour vous que ça n'est pas important pour moi. Et d'ailleurs, il y a une expérience que vous connaissez, que vous pouvez refaire si vous voulez. Si vous voyez face à vous un jeune enfant qui se fait un bobo, il pleure, il nous appelle du regard, on le prend éventuellement dans nos bras, la bisothérapie, ça marche bien parfois. Mais face au jeune enfant qui se fait un bobo, si vous le regardez en lui disant « ton altération biologique est insignifiante », vous savez que vous n'avez absolument pas répondu à ce qui est important pour lui. En conséquence de ça, ce qu'on néglige aussi très, très fréquemment, face à ce drame humain qui est vécu, cette situation humaine qui est vécue, eh bien, c'est ce qu'on va pouvoir appeler la question de la première fois. La première fois, on ne sait pas. La première fois, on n'a pas de repères, on n'a pas d'expérience. La première fois, on a beaucoup plus d'incertitudes, donc avec un risque plus grand d'inquiétude. Il suffit pour s'en convaincre que, de se rappeler chacune et chacun d'entre nous, toutes les premières fois qui ont ponctué et continuent de ponctuer nos existences, on ne sait pas. Et c'est ainsi que, par exemple, on peut oublier que telle personne qui rentre pour la première fois en EHPAD, eh bien, elle ne sait pas comment ça marche. Que telle personne qui, après un accident, arrive pour la première fois au service des urgences, elle ne sait pas comment ça marche. Et c'est ainsi qu'une aide-soignante peut oublier que la 10e toilette à laquelle elle procède ce matin, c'est la première toilette pour cette personne-là, ou que c'est la première fois que c'est cette aide-soignante-là qui la lui fait. Ça peut faire sourire, mais dans un service de soins palliatifs en Belgique, une infirmière nous rappelait en disant un petit peu, alors les gens, il ne faut pas qu'on oublie que le patient, c'est la première fois qu'il meurt. Et vous voyez qu'il y a cette question de la première fois à prendre en compte, parce qu'on est fragilisé la première fois. On est fragilisé. Et on voit ainsi cette prise en compte de la fragilité. Alors, il y a une fragilité humaine qui est intrinsèque. Nous sommes tous par nature des êtres fragiles et vulnérables. Et parfois, on a l'impression, on a la conviction d'être très fort,
Mais nous savons aussi que tout ça, ça peut s'effondrer d'une minute à l'autre. On le dit, hein, d'ailleurs, hein, la vie ne tient qu'à un fil. Un fil, c'est pas grand-chose, quand même. Hein, voilà. Et c'est ainsi qu'on doit se rappeler quelque chose qui est un élément important. Je fais référence, mais c'est juste pour faire mon malin devant vous, mais à un médecin et philosophe français qui s'appelle Georges Canguilhem, dans le normal et le pathologique, pour ceux qui connaissent. Mais Georges Canguilhem, il nous disait « La maladie, c'est par quoi l'humain se découvre mortel. » La maladie, c'est par quoi l'humain se découvre mortel. Bon, on sait tous que nous sommes mortels. Nous savons tous que nous allons mourir. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous, quand vous vous levez le matin, vous ne vous demandez pas si vous allez encore vivre ce soir. Vous avez déjà l'intention de venir à la prochaine convention. On n'en sait rien, à vrai dire, mais enfin, on a déjà quand même cette intention-là. Mais qu'est-ce que ça veut ? Et la mort se rappelle à nous de temps en temps. Vous êtes au volant de votre voiture, vous voyez qu'il y a un accident de l'autre côté de la route, ou quoi, vous dites, tiens, ça aurait pu être moi, enfin voilà. Ou bien vous entendez quelqu'un que vous connaissez qui est mort inopinément. C'est là qu'on se dit, on n'est pas grand-chose quand même. Donc la mort se rappelle à nous en certaines circonstances. Et il y a une circonstance où la mort se rappelle à nous, c'est la maladie. Pourquoi est-ce qu'elle se rappelle à nous, la mort, à cette circonstance-là ? Eh bien, parce que ça nous aide à prendre conscience que notre corps est fragile, que notre corps pourrait nous laisser, nous abandonner. Hein. J'ai cette conscience de ma fragilité. Qu'est-ce que cela induit pour chacune et chacun d'entre nous ? Enfin, j'imagine cette conscience qui est réactivée de la mort qui vient, eh bien, ça conduit à ce qu'on appelle une sensibilité exacerbée. On est plus sensible du fait de la maladie et de la dépendance. Et je rappelle toujours aux soignants que si on est plus sensible du fait de la maladie et de la dépendance, pour chacune et chacun d'entre nous, encore une fois, regardez, il suffit, sans être malade, d'être simplement un petit peu plus fatigué pour déjà se montrer plus sensible à l'intonation d'une voix, d'un bruit, d'une lumière, etc. Et donc, si je vous disais au début, les professionnels de la santé sont des professionnels de la souffrance, ils sont également des professionnels du sensible. Et si on veut effectivement essayer d'accueillir cette sensibilité, de se montrer sensible à cette sensibilité exacerbée, on a besoin de se sentir concerné par la situation hein, de la personne. Et on est parfois un petit peu, ou beaucoup, c'est selon, interpellé par la façon que l'on a de rejeter cette sensibilité exacerbée. Hein, si vous avez une infirmière qui vous appelez deux fois, trois fois, et puis l'infirmière vient dans votre chambre en disant « Écoutez, vous n'êtes pas tout seul. » Bon, on le sait bien hein, qu'on n'est pas tout seul. On sait bien qu'on n'est pas tout seul. Hein. Quand on parle aujourd'hui hein, d'une agressivité qui serait démultipliée, par exemple, dans les services des urgences, est-ce qu'on a suffisamment pensé à ce que l'on inflige comme difficultés aux personnes qui sont, par exemple, là, avec leurs douleurs, avec leurs inquiétudes, parce qu'elles attendent, et en ayant le sentiment, éventuellement, d'avoir été oubliées. Alors, pour penser cette relation avec un A, moi, je pense qu'il faut avant tout aider à prendre conscience. Et il s'agit, je voudrais insister sur ce point-là, en vous disant ce que je vous ai évoqué là, non pas de pointer quelque coupable que ce soit. Vous savez, en matière de qualité, on n'est pas gagnant si on cherche des coupables, mais bien on a besoin d'identifier des causes. Et il s'agit d'identifier les causes pour lesquelles il y a un certain nombre de ces dysfonctionnements, au fond, qu'on peut nommer par, finalement, un manque d'humanité dans grand nombre de services de soins. Je pense qu'on a besoin tout d'abord de rappeler la différence qu'il y a entre faire des soins et prendre soin. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, là, maintenant, je n'ai pas le temps. Hein, mais faire des soins à quelqu'un et les bien faire, ça n'est pas la même chose que prendre soin d'une personne à l'occasion de ce que l'on fait. Et si faire des soins et prendre soin, ça n'est pas la même chose, on peut identifier, j'aime bien le dire de cette manière-là, que le défi contemporain du système de soins, et que vous pouvez peut-être inférer dans vos entreprises, moi j'aime bien le préciser de cette manière-là, il s'agit au fond de quoi ? Eh bien de mettre plus de soins au singulier dans les soins au pluriel, mettre plus de soins dans les soins, mettre plus d'attention à la personne à l'occasion de ce que l'on fait avec ou pour cette personne.
Dans cette distinction entre faire des soins et prendre soin, eh bien, on va aussi constater qu'on a un défi organisationnel majeur auquel, je pense, le système de soins n'est absolument pas prêt dans la manière qu'il a de penser donc son organisation. Mais c'est que il faut quand même se rappeler, et je précise qu'au fond, on n'a pas le choix, que nous sommes toujours, en tant que soignants, confrontés à la singularité de la personne à laquelle on s'adresse. Nous sommes toujours face à un être singulier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pratique soignante, qu'elle soit médicale, paramédicale ou autre, est une pratique du singulier, c'est-à-dire au fond un art du singulier. Un art du singulier. Et un art du singulier, pour pouvoir être exercé, dans, je dirais, avec le plus de pertinence possible, ben, ça a besoin d'espace de liberté pour prendre des initiatives et pour pouvoir faire preuve de créativité. Et vous voyez que lorsqu'on est dans des organisations qui sont rythmées par les tâches qui doivent être faites dans des temps qui sont contraints et prévus pour cela, il n'y a pas de place pour la créativité. Et je suis d'une certaine manière en opposition avec l'intention de m'adresser au sujet, à l'être singulier qui est cette personne, et au fond, hein, ce que l'on attend de moi. Maintenant, il y a un défi, et je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour des questions de temps. Il y a un défi quand même, et c'est assez interpellant de voir combien il faut parfois un petit peu insister pour rappeler ça auprès des différents professionnels ou étudiants en santé. Ce défi, il repose sur une conviction. Et cette conviction, elle est la suivante, c'est que chaque humain, alors c'est très facile à dire, hein, mais je le dis quand même, cette conviction, elle est que chaque humain vaut la peine que l'on se donne de la peine pour lui. Hein, chaque humain vaut la peine que l'on se donne de la peine pour lui. C'est beaucoup plus facile à dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à mettre en œuvre, mais observez que si, par exemple, dans un service, on n'a pas la conviction que chaque humain vaut la peine que l'on se donne de la peine pour lui, on opère très rapidement des tris entre ceux que l'on considère valoir la peine et les autres. Et en disant chaque humain vaut la peine que l'on se donne de la peine pour lui, j'ai bien conscience qu'il y a des humains pour lesquels on a moins envie de se donner la peine que d'autres. Hein ? Mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas y arriver qu'on ne peut pas avoir cette conviction qui éclaire un petit peu, si vous voulez, le chemin, qui éclaire la réflexion. Et éventuellement, si moi je ne vais pas y arriver, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait y arriver. Et pour illustrer ça, je suis toujours très, très interpellé par le choix des mots. Je termine par là vraiment. C'est que lorsque dans un service, on entend par exemple dire « c'est un patient difficile », vous entendez ce qu'on dit, hein, « c'est un patient difficile », c'est le verbe « être » qui est utilisé. Et quand on a dit que l'autre, il est difficile, eh bien, c'est une étiquette qu'on met sur l'autre. Il est difficile. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gens difficiles ? On les réduit à une difficulté, on attend qu'ils s'en aillent ou qu'ils disparaissent. Toute autre chose serait, et ce serait la marque d'un autre professionnalisme, que de dire « j'ai de la difficulté avec un patient ». Et c'est bien légitime d'éprouver de la difficulté avec un patient, comme avec un étudiant d'ailleurs. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai de la difficulté que l'autre est une difficulté. Et si on dit qu'il est difficile, on entretient, on induit cette représentation qu'il y a des gens difficiles et d'autres qui ne le sont pas. Alors que si je suis capable de dire « j'ai de la difficulté », je peux, un, m'interroger sur pourquoi j'ai de la difficulté. Je peux me tourner vers une ou un collègue en disant « moi, j'ai de la difficulté, pourquoi est-ce que toi, tu pourrais peut-être toi essayer ?» Et puis en équipe, surtout, on pourrait essayer d'identifier pourquoi on a ou certains ont de la difficulté. Je m'arrête là parce que j'ai peut-être été trop long. Et merci de votre attention, en tout cas. Merci beaucoup, Walter. J'ai dû noircir une dizaine de pages. Et merci beaucoup. Les liens entre la relation client et la relation aux soins sont évidents et parsèment tout. Et puis, on pourra effectivement approfondir pour tous ceux qui le souhaitent de retrouver également l'ouvrage de Walter auprès de notre ami Pascal Briand, libraire de son état, si vous le souhaitez. Et puis, vous le faire dédicacer, votre ouvrage également par Walter, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Walter.